Bonsoir à tous. La chancelière Merkel et le président Sarkozy proposent un nouveau traité européen. Il a pour but de déclencher des sanctions automatiques contre les pays laissant filer leurs déficits. Il s'agit bien d'une règle d'or renforcée. Elle devra s'assurer que les budgets des pays de la zone euro retournent à l'équilibre. Ce n'est pas rien. Et politiquement, il s'agit bien d'un renoncement de souveraineté. Le texte doit être connu courant mars, donc bien avant les élections présidentielles. Ce soir, le Financial Times annonce pourtant une nouvelle menace de l'agence Standard & Poor's. Menace visant tous les pays triple A de la zone euro. Je dis bien tous, donc la France et l'Allemagne. Alors, sommes-nous en train de prendre des mesures sous pression allemande? Peut-on rester maître chez soi tout en étant européen? Et Angela Merkel donne-t-elle le cap ou impose-t-elle des diktats? C'est le thème de ce mot croisé en direct dont je vous présente les invités. Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, du logement et des transports. Vous êtes aussi conseillère politique de l'UMP. Arnaud Montebourg, député socialiste et président du Conseil général de Saône-et-Loire, monsieur 17% aux primaires socialistes et l'homme qui nous a tous fait réviser Bismarck dans nos livres d'histoire. Marie-France Garraud préside aujourd'hui l'Institut international de géopolitique. Vous avez été la conseillère de Georges Pompidou et de Jacques Chirac. Non, pas de Jacques Chirac. De Georges Pompidou, merci de cette précision, ancienne députée européenne élue sur la liste de Charles Pasqua. Alain Lamassoure, élu ancien ministre UMP des Affaires européennes et du budget, vous présidez la commission des budgets au Parlement européen, dont vous êtes bien entendu député. Enfin, Laurent Geoffrin, directeur du Nouvel Observateur. Arnaud Montebourg, vous avez provoqué un tollé ces derniers jours avec des propos que certains ont jugés germanophobes. Je vous cite, un diktat allemand, un ordre allemand, un égoïsme allemand, un nationalisme allemand. Et puis, vous avez dénoncé la politique à la Bismarck de Mme Merkel. Même la chancelière et Nicolas Sarkozy ont été priés de commenter vos propos. C'était cet après-midi en conférence de presse. On écoute le président de la République et vous réagirez ensuite, puisque vous ne l'avez pas encore fait. Jusqu'à présent, cette amitié franco-allemande faisait l'objet d'un consensus de la classe politique française. Les paroles qui ont été entendues déconsidèrent ceux qui les ont prononcées à l'endroit de nos amis allemands. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire que cela. Mais il les déconsidère. Et Mme Merkel, comme nos amis allemands, savent bien que ces propos ne sont pas tenus par des gens responsables, qu'il ne faut pas en être blessé. La gauche a toujours cru à l'amitié franco-allemande. La droite aussi. Et je souhaite que, quel que soit le calendrier électoral, chacun sache se hisser à la hauteur de sa responsabilité et ne pas jouer avec l'histoire de nos deux pays. Je prends la formule la plus simple, Arnaud Montebourg. Est-ce que vous jouez avec l'histoire de la France et de l'Allemagne? D'abord, ce n'était pas une position exprimée de ma part, c'était une citation du président, c'est-à-dire le chef de l'opposition, Mme Merkel, M. Sigmar Gabriel, qui est venu à l'occasion d'une rencontre très amicale entre les socialistes français et les socialistes allemands, rue de Solferino, c'était le 21 juin. Et j'ai retrouvé mes notes. Il avait dit « Madame Merkel est un Bismarck moderne et elle joue un nationalisme brutal en Allemagne. Les conservateurs nuisent à l'idée européenne. » Donc j'ai un peu atténué ce que le président, le chef de l'opposition socialiste à Madame Merkel avait dit, lui qui est allemand, qui n'est pas soupçonnable ni de se déconsidérer ni d'être encore moins germanophobe, avait dit de sa chancelière. Dit par des Allemands entre eux, on pourrait dire ça les regarde. C'est un responsable politique français qui s'exprime. Non, ce n'était pas dit par des Allemands entre eux, c'était dit par un Allemand à des Français, car le débat qui se joue, ce n'est pas la France contre l'Allemagne, c'est la droite allemande et française contre la gauche allemande et française. C'est pas vrai. C'est une discussion sur ce que nous voulons faire de l'Europe et la façon dont aujourd'hui l'Allemagne a réussi à imposer son idéologie à la droite française. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que... Vous savez très bien que ces mots ne sont pas innocents. Ils ont une portée politique, ils nous troublent, on parle de nos voisins allemands. Voilà, peut-être je peux vous proposer la question autrement, c'est qu'entendez-vous précisément par politique à la Bismarck, même si vous n'êtes pas le premier à utiliser ces propos, concernant Angela Merkel? Voilà. Mais c'est un peu ce qui fait la une de tous les journaux. Oui. Par exemple, j'ai la Challenge. Ce n'est pas un journal socialiste. Hein. L'Europe allemande, le modèle que Merkel veut imposer. Et alors, quand on ouvre, d'ailleurs, parce qu'il y a le résumé du livre que vient de faire paraître notre ancien ambassadeur de France à Berlin, M. de Montferrand, qui d'ailleurs était au cabinet de M. Balladur, qui n'est pas non plus socialiste.
Il dit « Il y a un retour du patriotisme en Allemagne. Pour un Français, c'est toujours une surprise de constater que les bureaux de nombreux décideurs sont aujourd'hui décorés de portraits quasi officiels de Bismarck. Et d'ailleurs, j'ai fait observer que l'ancien ministre des Affaires étrangères de Helmut Kohl, M. Kinkel, avait dans son bureau un portrait quasi officiel, comme le dit notre ambassadeur, de Bismarck. Ce n'est pas un mot qui blesse pour l'Allemagne. Je vais vous dire, M. Calvi. Quand vous êtes, vous, qualifié de germanophobe, que ressentez-vous ? Mais rien du tout, car ce sont des Allemands qui avertissent l'Allemagne de ses propres excès. Lorsque Helmut Schmidt, hier, 93 ans, qui ne s'est pas exprimé depuis 13 ans publiquement en Allemagne, devant un congrès du SPD, dit « L'Allemagne risque de se retrouver isolée si elle cherche à imposer ses vues à ses partenaires. Ça ne se termine jamais bien quand l'Allemagne est isolée en Europe. Si nous succombons, conclut-il, à la tentation de dominer les autres, nos voisins se dresseront contre nous. » Il y a donc finalement, entre les deux gauches, la gauche française et la gauche allemande, et je me réclame des propos d'Helmut Schmidt, de Sigmar Gabriel et de beaucoup d'autres de nos collègues allemands, disent qu'il y a un véritable problème avec la politique de cette chancelière. Je n'ai pas caractérisé Mme Merkel, j'ai caractérisé sa politique. Si c'est un choix politique que j'ai contesté, c'est que nous avons besoin en France, où on nous présente l'Allemagne comme un modèle formidable, un modèle d'imitation, comme étant quelque chose qui est très contesté en Allemagne. Les Français ont droit à ce débat, pas seulement les Allemands. Alors ce débat, nous allons essayer de l'avoir ce soir. Nathalie Kosciusko-Morizet, Arnaud Montebourg vient de le rappeler, Helmut Schmidt, ancien chancelier allemand socialiste, a dénoncé la nocivité de la vanité nationale allemande. Est-ce qu'à vos yeux, lui aussi est un germanophobe ou un traître à son pays ? Arnaud Montebourg essaye de noyer son propos dans une multitude de citations. On pourrait aussi citer le ministre anglais qui qualifiait les propos d'Arnaud Montebourg de raciste. La vérité, c'est que quand un Allemand parle de son histoire et quand un Français fait référence à Bismarck, ça ne veut pas dire la même chose. Parce que Bismarck, c'est quand même celui qui a fait la guerre à la France. Moi, j'observe seulement ce soir qu'Arnaud Montebourg n'assume pas ses propres propos et se cache derrière une multitude de citations d'autres personnes. Et ne pas assumer ses propres propos, ce n'est jamais bon signe pour un homme politique. On peut avoir des propos rudes en politique, on en a, on peut même parfois avoir des propos excessifs, mais jouer sur des vieilles peurs, ça n'est pas honorable. La relation franco-allemande, elle a été construite par tous les présidents de la Ve République, de droite ou de gauche. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac et aujourd'hui Sarkozy ont construit et consolidé cette relation. Et aujourd'hui, la gâcher, l'abîmer, pour des motifs en fait électoraux, c'est dangereux. Vous savez, on ne gâche rien. On dit un certain nombre de choses sur la façon dont est en train de tourner l'Union européenne. C'est-à-dire finalement l'austérité allemande imposée aux Grecs, aux Italiens. Le plein emploi allemand, la compétitivité allemande, ça nous ferait du bien aussi, non ? Ce n'est pas le cas, on va en discuter, M. Lamassoure. Des plans de récession partout. Et surtout, un système punitif, c'est le traité qui vient d'être envisagé par les deux dirigeants, France et Allemagne. Je ne crois pas que ce soit l'avenir des peuples. Et rien, surtout, contre les marchés, le système financier, le système bancaire, qui est toujours autant libre de poursuivre son travail de spéculation. Pourquoi faudrait-il penser que la bonne gestion a une nationalité ? Parce que la règle d'or, c'est juste une règle de bonne gestion. Pourquoi est-ce qu'elle aura une nationalité ? C'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels ils ont la chance d'avoir une opposition plus raisonnable. En Espagne, tout le monde a voté la règle d'or. En Allemagne, ils ont une règle d'or. Les socialistes allemands ont voté la règle d'or. Mais ça ne fait pas de la règle d'or une spécificité allemande. C'est une règle de bonne gestion. Pourquoi vous y opposez-vous ? Mais il n'y a pas besoin de règle d'or pour la mettre en œuvre. D'ailleurs, lorsque François Fillon a pris ses responsabilités, vous étiez une de ses ministres, il a déclaré en septembre 2007, je suis à la tête d'un pays en faillite. Est-ce que vous connaissez beaucoup de dirigeants politiques qui, sachant que leur pays est en faillite, diminuent les recettes, c'est-à-dire aggravent le mal ? Ça ne vous a pas effleuré, ça, peut-être ? Vous étiez l'une de ces ministres et le gouvernement a fait et multiplié les cadeaux fiscaux, d'un montant d'ailleurs aussi considérable. La France est un des pays qui arrive. Nous allons revenir sur ces mesures politiques et économiques. D'un montant aussi considérable qu'il est assez curieux que maintenant on veuille nous imposer des règles d'or. Mais la première des règles
qui n'est pas d'or, c'est d'avoir des dirigeants compétents et qui équilibrent à peu près les comptes, ce qui n'a pas été le cas de M. Trump. La France est passée en 3 ans d'un déficit de 7 et quelques pourcents à un déficit de 4,5%. J'aimerais que nous ayons un débat à 5 et pas uniquement une confrontation à 2, si vous le voulez bien, même si on est heureux de vous entendre l'un et l'autre. Donc je reste pour l'instant au chapitre germanophobie. Je vous promets évidemment qu'on va revenir sur les mesures annoncées, sur les conséquences économiques et politiques de tout ça. Marie-France Garraud, peut-on critiquer l'Allemagne sans être taxé de germanophobie? De toute manière, je ne vois pas dans cette phrase ce qu'il y a de critiquable ou de sensible pour l'Allemagne. Pour les Allemands, Bismarck, mais c'est un héros. Peut-être parce que vous n'êtes pas allemand. Attendez, mais c'est un héros. C'est lui qui a fait l'unité allemande pour la première fois. Il n'y avait pas d'État allemand avant Bismarck. Il n'y avait pas d'État allemand. Depuis 6 siècles, il n'y avait pas d'État allemand. Il y avait l'Empire romain germanique dans un désordre, une confusion totale. Et à la fin de l'Empire romain germanique, la Prusse a essayé de prendre l'ascendant sur l'Autriche, puisque c'était véritablement un système bicaméral, si je puis dire. Il a réussi à mettre l'Autriche un peu en arrière. Et évidemment, ça n'aurait peut-être pas déplu qu'il y ait un petit conflit avec la France. Mais contrairement à ce que vous avez dit, même, ce n'est pas lui qui a déclaré la guerre. J'ai rafraîchi un peu mes souvenirs sur la dépêche d'Ems. Il y a eu un incident, un prince Hohenzollern, je crois, voulait être candidat au trône d'Espagne qui était vacant, il était franco-prussien, franco-germain, franco-allemand. Et l'empereur français, Napoléon III, était contre. Il a donc demandé que cette candidature soit retirée. Elle a été retirée, Frédéric II a donné son accord, et nous avons envoyé un ambassadeur pour que cet accord soit précisé afin qu'on ne revienne pas dessus. Marie-France Garraud, vous voulez nous dire que pour les Allemands, évidemment, non, Bismarck n'est vous pas dire un que gros c'est mot. Mais je voulais vous dire que c'est nous qui avons déclaré la guerre. Parce qu'après la dépêche d'Ems, ce n'est pas les Allemands qui ont déclaré la guerre. Ce sont fait déclarer. Comme... Ce sont les Français. Alors, c'est hélas pas une émission d'histoire. Bien que ce soit l'autre patient de Laurent Geoffrin. Attendez. Est là ce soir, donc on parle de Bismarck. Oui. Mais il y a d'autres socialistes qui tombent dans le même travers. C'est un signe de l'histoire allemande. Attendez, laissons Marie-France Garraud terminer, je vous redonne la parole. J'aime cette énergie. Mais cette symbolique est très intéressante. C'est vous, elle est d'accord avec vous. Non, je trouve que cette symbolique est très importante pour l'histoire allemande. Nous, les Français, on a un État, je dirais, répété 20 fois, mais pour une fois, on a un État depuis Philippe le Bel. C'est-à-dire que nous sommes un État souverain depuis 8 siècles. L'Allemagne n'a pas eu d'État avant Bismarck. Il n'y a pas eu d'État allemand, à aucun moment. Il y a eu l'Empire romain germanique, la confusion totale. Et Bismarck a fait la réunification. Alors, la suite a eu un passage un peu difficile, comme vous dites, mais le Troisième Reich, je vous signale qu'il avait quitté le pouvoir en 90. Alors, Laurent Geoffrin réagit. Et c'est intéressant parce que notre histoire conditionne le présent. Pour eux, et pour nous. Nous allons y revenir aussi, c'est promis. Mais Laurent Geoffrin. Je comprends la polémique, parce que je n'aime pas qu'on ramène les Allemands à d'anciens conflits armés. Je trouve que c'est maladroit. Mais je trouve que l'UMP en fait une histoire, on dirait, en français traditionnel, on dirait une querelle d'Allemands, on dirait. C'est-à-dire une querelle qui n'a pas de continuité. Je vois que vous entretenez la fraternité entre les peuples. Non, on parlait des Allemands d'avant. Oui, j'ai bien compris. L'unité allemande, parce qu'ils se battaient toujours entre eux. Et on ne savait pas pourquoi. Là, c'est pareil, on en fait toute une histoire. Pourquoi ? Pour masquer le fond de la chose. C'est-à-dire que l'accord en question, comme l'a dit Montebourg, il a raison sur ce point, c'est l'évidence même, il suffit de regarder les forces politiques en présence, c'est un accord conservateur. C'est un accord qui est fait entre deux élus conservateurs et dont le contenu est conservateur. Par exemple, on parle d'un nouveau traité, il n'y a pas un mot de social là-dedans. C'est un traité disciplinaire. Il est peut-être nécessaire, par ailleurs, je ne discute pas de ça, mais enfin, en tout cas, il est disciplinaire, il n'y a pas de social. Pareil, sur la plupart des demandes allemandes sont satisfaites, elles sont un peu édulcorées. C'est ça, et allemandes de Merkel, qui sont vivement critiquées. Alors, on doit reparler du discours d'Helmut Schmidt. Il faut le lire. C'est passionnant. Parce que Helmut Schmidt, ce n'est pas du tout un irresponsable d'extrême-gauche, pas du tout. Et c'est un grand Européen. Il a fait une critique très virulente du contenu de l'accord, de la politique Merkel et de l'orientation, au fond, conservatrice, qui est donnée à l'Europe par ces deux gouvernants que sont Merkel et Sarkozy. Par exemple, j'en termine, il parle d'une flexibilité budgétaire. Vous avez vu ça dans l'accord ? Flexibilité budgétaire, pas du tout. Lui, il estime que si on fait que de l'austérité,
on va accroître la récession. Et donc, dans ce cas-là, on aura plus de mal à rembourser les dettes, outre les souffrances sociales que ça provoquera entre-temps. Et donc, c'est un débat entre droite et gauche, principalement, même s'il prend les atours, parfois, d'une querelle franco-allemande, mais c'est entre droite et gauche européenne. Il y a deux conceptions de l'Europe. C'est ça, le fond de l'affaire. En tout cas, en Allemagne, la polémique sur la germanophobie masque cette question-là. Justement. C'est la vraie question qui est celle qui importe pour l'avenir des Français. Mais nous avons interrogé les Allemands, pardonnez-moi, sur la question de la germanophobie. Évidemment, en Allemagne, pas de scandale. Et pour tout dire, Bismarck, comme vient de le rappeler Marie-France Garraud, n'est pas un gros mot. Oui, c'est dire Napoléon, en quelque sorte, à des Français. Je vous propose d'écouter la réaction, en tout cas, de deux eurodéputés allemands, eurodéputés allemands. Martin Schulz, qui préside le groupe socialiste au Parlement européen, et Andreas Schwab, qui est membre, lui, de la CDU, d'Angela Merkel. François Baudonnet à Bruxelles et Sophie Brune à Berlin leur ont demandé ce qu'ils pensaient de la domination de l'Allemagne en Europe et des comparaisons avec Bismarck. Vous allez être surpris. Il faut que l'Allemagne évite de donner des leçons aux autres nations en Europe parce que finalement, c'est contre-productif. Le SPD, le Parti social-démocrate allemand, a une tradition jamais interrompue de lutter pour une Allemagne européenne et pas une Europe dominée par l'Allemagne. Il y a un fantasme en France depuis longtemps que l'Allemagne pourrait devenir à nouveau trop importante. Mais si on regarde la réalité, il faut regarder par exemple l'endettement public. Et en ce qui concerne l'endettement public, la France se trouve à 85% du PIB, l'Allemagne à 82%. Donc il n'y a pas la dominance allemande. C'est un problème pour l'Allemagne et pour la France presque similaire. Alors Arnaud Montebourg est un homme connu en France partiellement, je présume. Mais en Allemagne, c'est un débat. Ça m'étonne qu'il joue en Allemagne aucun rôle. Et s'il y a quelqu'un qui compare Angela Merkel avec Bismarck, il y aura certainement aussi en Allemagne des gens qui partagent son opinion. Non, ça choque pas du tout. Bismarck est un personnage historique. Et nous, les Allemands, on ne devrait pas non plus rappeler la Révolution française pour décrire le budget français. Il faut faire face aux défis international. Et on peut faire ça seulement ensemble et pas en se référenciant à l'histoire. C'est le futur qui compte. Alors Alain Lamassoure, l'hégémonie allemande sur l'Europe n'est-elle qu'un fantasme ? Oui, c'est un fantasme. Il y a une chose, je crois être ici le plus ancien dans la politique européenne, et donc l'espèce de sage, même s'il me manque la barbe. Il y a une règle d'or dans les affaires européennes. Entre nous, on ne parle jamais du passé. Parce que le passé, c'est tout ce qui nous divise. Plus exactement, tout ce qui nous divise est dans le passé, et ça ne dépend plus de nous. Et je pense que quand Arnaud Montebourg citait Bismarck, ce n'est pas pour flatter les Allemands et pour flatter Mme Merkel. C'était pour le contraire. Ça aurait été la même chose si des Espagnols avaient comparé notre président de la République à Napoléon, qui est un personnage qu'ils n'aiment pas, les Espagnols. Un personnage français qu'ils n'aiment pas. Ils ont quelques raisons. C'est une règle, ils ont quelques raisons. C'est une règle d'or, pour le coup. On ne parle pas du passé où se trouve tout ce qui nous divise. Nous bâtissons ensemble l'avenir qui ne dépend que de nous. La deuxième chose, sur l'Allemagne, bien sûr, il y a un combat droite-gauche, mais il y a un point sur lequel il y a une unité de la droite et de la gauche en Allemagne, comme en Espagne, comme en Italie, comme en Grèce, comme aujourd'hui au Portugal et en Irlande. C'est que, en effet, la règle d'or budgétaire s'engageait à mettre dans sa constitution que désormais, il faudra revenir à l'équilibre budgétaire. La droite et la gauche dans tous ces pays en sont d'accord. Et ce qui handicape aujourd'hui la France, qui retarde son retour à l'équilibre, qui compromet les taux d'intérêt auxquels elle emprunte sur les marchés financiers, c'est parce que la gauche française, le Parti socialiste, son candidat à l'élection présidentielle, se refuse à un accord sur la règle d'or. Une dernière chose. Accumulé par Nicolas Sarkozy doit y être pour quelque chose quand même. Il y est pour quelque chose, Sarkozy... Sur 10 ans, il a doublé le déficit. Oui. C'était la droite qui était au pouvoir, c'est pas oui, la gauche. Mais la crise est passée par là. Et si au moment de la crise... Elle avait commencé à augmenter avant. Tout le monde le sait, d'ailleurs. Les réformes fiscales faites en 2007 Laurent Geoffrin, ont contribué vous êtes à accroître le déficit. Du fait qu'il y a eu... La France est parmi le groupe de pays qui est revenu avec quelques autres au niveau du PIB de 2008. Ce n'est pas du tout le cas de tous les pays. Oui, non, attendez, oui. Je veux poser une question à Laurent Geoffrin. Oui. Lorsqu'il y a eu le ralentissement économique, parce qu'il y a eu la crise financière, la crise la plus grave depuis 70 ans,
Et donc, ça a diminué les recettes fiscales, creusé le déficit, et puis l'État est intervenu pour soutenir l'économie, pour soutenir l'industrie automobile qui perdait des emplois. Et quelle a été la réaction du Parti socialiste à ce moment-là? On n'en fait pas assez, il aurait fallu faire deux fois plus. Oui, moi, je ne suis pas du Parti socialiste. Aujourd'hui, vous n'êtes pas le Parti socialiste. Par contre... Ça va me permettre de vous répondre. Mais j'espère bien que vous le ferez. Et surtout, enfin, que tout François monde sait que Hollande a creusé et le Parti... Mais il n'y a pas l'évidence. Quand le Parti socialiste n'est pas au pouvoir depuis 10 ans, c'est sa faute. Non, mais les budgets des rapports. C'est factuellement faux. Quand vous regardez le déficit... Non, mais il n'est pas le seul responsable. Mais quand vous regardez le déficit en proportion du PIB, on était à 7,9 en 2009, on sera à 4,5% en 2012. C'est une évolution, une diminution du déficit qui est bien supérieure à celle d'autres pays voisins. Par exemple, les Britanniques. Ou dans une autre catégorie. Catégorie des Américains. Non, mais d'accord, mais ce sont des économies développées qui sont confrontées. Il s'est passé des choses très donc importantes. Nos déficits, on les réduit très rapidement. Il beaucoup passé, plus rapidement que certains de nos voisins. Il s'est passé des choses très importantes aujourd'hui à l'Élysée et je souhaite vous les faire commenter. Vous remarquerez néanmoins, Nathalie Kosciusko-Morizet, que visiblement, en Allemagne, on s'énerve beaucoup moins des propos d'Arnaud Montebourg. Mais ça m'étonne pas France, du tout. Parce qu'on ne le connaît pas. Mais c'est pas un problème. Mais attendez, Yves Calvi, c'est pas un problème pour les Allemands. Les propos d'Arnaud Montebourg. Mais les propos d'Arnaud Montebourg ne sont pas un problème pour les Allemands. Laurent Geoffrin a raison sur ce point. C'est un problème pour les Français. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'on fait un fantasme de ce que ce serait l'Allemagne qui nous imposerait quelque chose. Je m'explique. On fait un fantasme de ce serait l'Allemagne qui nous imposerait quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on fait beaucoup plus de chemin que les Allemands. Oui. Mais attendez, qui voulait l'Europe politique? Au début, les Allemands, ils voulaient pas du tout aider la Grèce. On a créé le Fonds européen de stabilité financière, des mécanismes de solidarité pour aider la Grèce, pour aider l'Italie, pour aider l'Espagne, pour aider l'Irlande. Ça, c'était des choses que les Allemands ne voulaient pas. Ils ont fait un énorme chemin et ils le savent bien en Allemagne. C'est pour ça qu'ils ne réagissent pas sur cette question. Marie-France Garraud, et ensuite on conclut cette partie avec des propos celui qui l'a initié. Le Parti socialiste masque sa difficulté à faire des propositions et à se positionner sur des sujets de responsabilité comme la règle d'or. Parce que sur la règle d'or, vous ne nous expliquez pas pourquoi vous êtes les seuls en Europe, y compris parmi les socialistes, à ne pas la vouloir. Alors, je comprends. Parce que quand c'est une règle stupide et on va vous expliquer pourquoi il est socialiste. Merci d'essayer de respecter un tout petit peu le plan de l'émission. Envie, mais quand même. Alors, Marie-France Garraud, vous souhaitiez intervenir et ensuite oui, on... je disais... Bah, d'ailleurs, je ne me souviens plus sur quoi je voulais intervenir maintenant dans ce débat animé. Mais je trouve que cette affaire a beaucoup trop duré. Je pense que le président n'aurait pas dû répondre sur cette question. Il se serait grandi en ne répondant pas. On ne répond pas à ce genre de questions. Ça ne relève pas d'un président de la République ni du chancelier. Enfin, voyons, où sommes-nous ? Pas ces journalistes qui ont posé la question, probablement, vous savez. Et alors ? Dans une conférence de presse, ça non. se fait. Oh, écoutez, regardez les conférences de presse du général et même de Pompidou. On ne répondait pas à toutes les questions. C'est non, une question de on dignité. On ne répondait pas beaucoup aux questions. Mais les temps ont un peu changé. Lisez les conférences de presse du général. À mon avis, on répondait aux questions. Oui, mais. Plus qu'aujourd'hui. Alors, Arnaud Montebourg, et on clôt la parenthèse de la germanophobie. Je crois qu'on arrive à un moment, et là, je ne peux pas donner tort à Nathalie. Kosciusko-Morizet. Ça ne blesse nullement les Allemands, donc il n'y a pas de problème de germanophobie. Ça blesse la droite française. Non, ça blesse parce que la droite française se sert de l'amitié franco-allemande pour dissimuler sa politique impopulaire d'austérité visant non pas à faire payer le système financier qui est responsable de la crise, mais faire payer les classes moyennes et classes populaires en le dissimulant derrière la nécessité européenne de cette amitié franco-allemande. Mais l'amitié franco-allemande, elle mérite mieux que la politique que Mme Merkel et Nicolas Sarkozy sont en train de tricoter. D'ailleurs, M. Sarkozy, ce qu'ils veulent masquer, c'est que M. Sarkozy est à la remorque, Mme Merkel. Qu'a-t-il obtenu de tout ce qu'il demande depuis des mois? Rien. Mais il signe. Rien. Oui, la France est devenue l'annexe des projets allemands. Arnaud et c'est Arnaud ça la vérité de ce gouvernement. Arnaud pratique la politique des boucs émissaires. C'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute des agences de notation. Vous savez quoi? C'est peut-être juste la faute de la dette. Peut-être que l'urgence, c'est de se désendetter et c'est le sens de la règle d'or. Je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que vous êtes les seuls socialistes en Europe qui ne veulent pas de la règle d'or? On va amener la règle d'or après. Je voudrais d'abord que vous répondiez à la question assez intéressante qu'il vient de soulever et qui nous permet de rentrer un petit peu dans l'esprit qui est celui de cette seconde partie. Est-ce qu'on est en train d'inventer une nouvelle Europe ou une Europe un peu différente, notamment grâce au travail du couple franco-allemand, oui, ou à cause du couple franco-allemand. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez commencé à aborder la question. Il y a une version officielle que vous venez d'évoquer, où chacun a fait un pas l'un vers l'autre. Dites-nous quelle concession a fait Angela Merkel.
Ah ben, je vous l'ai dit, non mais attendez, c'est pas seulement ça. Au début, les Allemands étaient très réticents à mettre en place des dispositifs de soutien pour les pays endettés confrontés à la crise de la dette. La Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, au début, les Allemands ne voulaient pas du tout, par exemple, entrer dans l'Élysée, de fonds européens de stabilité financière. Vous avez parfaitement raison de rappeler. Aujourd'hui, à l'Élysée, typiquement, je vous donne un autre exemple. Merci. Angela Merkel voulait, avec la CDU, que les budgets... le respect par les Européens, par les États européens, d'une règle budgétaire stricte soit soumise à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est anticonstitutionnel. Le président pour de la République ne le souhaitait pas. Ça n'est pas dans l'accord définitif du tout. Et ça n'était pas le choix d'Angela Merkel. Elle voulait le contraire. Mais madame, elle ne pouvait pas. Donc c'est pas vrai. On vous dit que c'est anticonstitutionnel. C'est un accord allemand. Elle ne pouvait pas le vouloir. C'est une manœuvre. Elle ne pouvait pas le vouloir, puisque de toute manière, ça aurait été sanctionné par la Cour constitutionnelle. Elle le voulait, son pays. Mais non, elle a dit avec elle, la CDU, nous, c'était on sa joue position. À la pétanque, elle joue au billard à trois bandes. Alors forcément, il y a quelque chose qui ne colle pas. Hein. Bon, chacun est dans ça, sa c'est culture. Net. Oui, bon. Surtout, il y a quelque chose à quoi nous devrions être sensibles, nous, Français. Dans tout ça, ce sont les Allemands qui, à la fin, payent. Hein. Lorsqu'il y a eu le problème grec, puis le problème irlandais, puis le problème portugais, puis maintenant le problème espagnol et d'autres, on a constitué un fonds de solidarité européenne pour que les pays qui restent en bonne santé puissent emprunter et prêter à ceux des pays qui ne peuvent plus trouver des prêteurs normaux sur les marchés financiers. C'est le fonds dit de stabilité financière. Il est alimenté à hauteur de 440 milliards d'euros. Sauf que les Allemands sont les principaux fournisseurs de ce fonds. Et aujourd'hui, tout le crédit, au sens fort du terme, de l'Union européenne, il repose sur un seul des grands pays européens, qui est l'Allemagne. Alors forcément... Donc quoi, ils pensent qu'on leur fait les poches, les Allemands? Ben, d'une certaine manière, oui. Et je ne vois pas qui pourrait demander au contribuable allemand de payer à la place du contribuable grec. De la même manière, qui pourrait demander au contribuable français... Donc c'est bien l'Europe allemande. Moi, je pense que vous venez de nous l'illustrer avec brio. Non, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 10 ans, les socialistes allemands, à la différence des socialistes français, ont décidé de faire des efforts... de travailler plus sans être payé davantage, au moment où les Français passaient aux 35 heures. À l'époque, la France avait un excédent commercial sur l'Allemagne. Mmh. Aujourd'hui, la France est dans la situation que nous savons, et l'Allemagne a un excédent commercial qui le dispute à celui de la Chine. L'Allemagne est le seul grand pays convenablement géré. Tout le crédit de l'Europe repose sur l'Allemagne. Et nous faisons maintenant des efforts pour rattraper l'Allemagne. C'est pour ça que les Allemands sont en droit de mettre un certain nombre de conditions. Et Arnaud Montebourg. Il y a un point d'histoire, moi qui ne suis pas socialiste, je vais quand même rappeler ça, c'est que le déficit budgétaire de la France, sous les socialistes, était très inférieur à ce qu'il a été par la suite. Très inférieur. Et il était même dans les critères de Maastricht. Avant du la temps crise. Des socialistes. Avant la crise. Oui, mais d'accord. Enfin, il se trouve que par effraction, comme dit votre ami Barouin, ils étaient là. Bon. Par effraction. Et on ne peut pas leur imputer le déficit, puisqu'il était inférieur aux critères de Maastricht, ce que le vous venez déficit, de faire. Il a pas de couleur et quand politique, quand on a fait 35 heures, c'est un truc électoral ridicule. Si les 35 heures étaient si terribles que ça, que ne les avez-vous supprimées, puisque ça fait 10 ans qu'on a un gouvernement qui est contre les 35 heures. Alors, il aurait dû les supprimer depuis le temps. Pourquoi il ne l'a pas fait? Avec vous, il faut les supprimer. Non mais attendez, moi j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous, que vous attribuez... Il faut faire attention aux questions qu'on pose. Non, Geoffrin, c'est pas tout ça. Parce qu'une vous fois êtes déjà arrivé à prendre des revers parfois difficiles. La vous base d'élaboration des contrats de travail, c'est plus compliqué que ça. Je voudrais dire un mot à M. Lamassoure. Oui. Dit, regardez, l'Allemagne paye. La Grèce, etc. C'est faux. C'est vrai, mais elle paye pour qui? Elle cesse de payer, elle en a assez payé. Elle paye pour qui? Justement. Oui, c'est vrai. Elle veut s'arrêter. Elle a dit c'est terminé. C'est intéressant, c'est de savoir pourquoi. On en parlera peut-être et tout à l'heure. Oui, il faudrait qu'on en dise un mot. C'est que l'Allemagne, en fait, elle a payé pourquoi? Pour ses propres banques, pour le système financier. Quelle est cette Europe qui est en train de se construire? L'Europe qui soumet les peuples aux intérêts des marchés financiers. Et non pas l'Europe qui contraint les marchés financiers pour sauver les populations et l'économie réelle. Donc on est entré. Une conception économique au Parti Socialiste. Mais non seulement c'est une conception économique, mais elle est partagée par Joseph Stiglitz, celui Nobel. Celui qui rembourse ses emprunts fait le jeu des marchés financiers. C'est intéressant du point de vue économique. Chercher la confiance des marchés financiers, faire la politique des marchés financiers. Ce que fait Mme Merkel et M. Sarkozy. Vous avez déjà emprunté à une banque? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Pour acheter un logement. C'est bon, je connais. Moi aussi, je suis emprunteur comme vous. Je veux juste vous dire une chose. Et donc, on le laisse terminer. Laissez-moi terminer. Je veux juste vous dire une chose, c'est que faire la politique des marchés financiers, c'est-à-dire ne jamais les contraindre, n'interdire aucune de leurs opérations, alors qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ne leur infliger aucune perte,
continuer à entretenir les bonus, laisser les banques distribuer des milliards de dividendes quand la population trime, continuer à laisser les banques faire ce qu'elles veulent sans jamais leur dire maintenant c'est terminé. C'est-à-dire, moi, ce que je propose, ce que propose d'ailleurs l'accord entre le PS et le SPD allemand, car il y a un autre projet que le projet du mercosisme, c'est-à-dire ce mélange des droites, j'allais dire, les plus dures, contre leur propre population, c'est qu'il s'agit de prendre des décisions contre le système financier. Ça n'est pas dans les propositions ni de Mme Merkel, ni de M. Sarkozy. C'est une Europe des marchés financiers qui, d'ailleurs, ne peut plus accepter la démocratie. J'en viens à ce sujet de perte de souveraineté. C'est ce que j'appelle les gouvernements Goldman Sachs. Le gouvernement des banquiers pour rassurer les marchés qui eux-mêmes sont à l'origine la de perte de souveraineté. On va y venir un tout petit peu plus tard. Je veux d'abord que Marie-France Garraud réagisse à ces propos du président du groupe parlementaire CDU au Bundestag. Il disait récemment « Maintenant, l'Europe parle allemand ». L'Europe parle allemand. Est-ce que vous trouvez que ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris lui donne raison, Marie-France Garraud ? Pardonnez-moi, je ne voudrais pas répondre directement. Encore une fois, je pense qu'il faut penser à l'histoire. J'ai dit tout à l'heure, c'est pour la première fois, l'Allemagne a été un État en 1870. Bon, on connaît la suite, l'échec des Reich, le désastre d'Hitler, la guerre, la fin de la guerre. L'Allemagne n'avait même plus le mot Allemagne. C'était territoire occupé, coupé en quatre, soumis aux forces d'occupation, la capitale coupée en quatre, soumis aux forces d'occupation. Quatre ans après, grâce aux Américains d'ailleurs, il y avait de nouveau un État allemand, la République fédérale, immédiatement, qui a pris une loi fondamentale qui a perduré avec la réunification. On n'a pas changé le préambule de la loi fondamentale. Elle était faite pour le peuple allemand dans son entièreté. Autrement dit, c'est tout à fait normal. Les Allemands, ils veulent avoir un État. Ils veulent avoir un État, bien entendu. Et cet État est difficile à créer, parce que l'Allemagne est complètement hétérogène, beaucoup plus que nous. Entre l'Allemagne du Nord, la Saxe et la Bavière, il n'y a rien de commun. La Bavière a été occupée par les Romains, par la Saxe, il n'y a rien de commun. Alors quand on a imposé le système fédéral aux Allemands à la Libération, on leur a imposé pour qu'ils ne recommencent pas à faire un empire, un Reich. Mais ils ont eu l'intelligence de voir tout de suite ce que leur offrait le fédéralisme. C'est-à-dire la possibilité de faire un État pluriel, mais unitaire. Pluriel et un. Alors, la pluralité, on voit très bien, mais il fallait un élément structurant à la réunification. Quel était l'élément structurant? Eh bien, c'est la monnaie. Il faut tout de même se souvenir que c'est Kohl qui a demandé la monnaie unique. C'est Kohl qui a demandé la monnaie unique. Moi, je connais la lettre qui a été écrite par Kohl quelques semaines après la réunification à François Mitterrand pour lui demander de le voir avant le sommet suivant pour mettre le plus rapidement possible l'union monétaire, politique et monétaire pour des raisons urgentes de politique intérieure. C'est-à-dire que l'euro structure d'abord les parties allemandes et puis structure ensuite ce qu'il y a autour. Que voulez-vous nous dire ? Je veux vous dire que l'Allemagne sait mieux que nous que nous rentrons dans la période des empires, que le pouvoir bascule. Il va y avoir l'Empire russe, l'Empire américain, l'Empire chinois, l'Empire indien, l'Empire brésilien, etc. Elle le sait parce que son expérience, c'est le voisinage avec la Russie qui n'a jamais été un voisinage tranquille. Alors elle veut que dans cette évolution prévisible, il y ait autour d'elle un groupe de pays qui ne soit pas structuré comme un empire, mais qui soit avec elle, pour elle, plus ou moins unifié pour elle. – Quoi, des pays satellites ?– Des pays, alors on peut dire qu'ils ont des intérêts communs. Moi je considère que la politique c'est une affaire d'intérêt, pas d'amitié. L'amitié n'a jamais tenu les gens très longtemps, hein, surtout en matière politique. Déjà dans les personnes privées, ça se dispute. Mais alors en politique, c'est réglé. Et c'est ça ce qu'elle veut. Alors bien entendu, la zone euro, c'était ça. Mais il y a eu un petit accident au départ, c'est qu'il y a des pays qui sont rentrés dans la zone euro qui n'auraient jamais dû y être, les pays du Sud, par effraction. Et comptez qu'ils aient tombé comme des fruits mûrs. Manque de chance, il y a eu la crise, et la France, puisque c'est elle le plus important, est dans la même situation que les pays du Sud. Alors, pour l'Allemagne, c'est un vrai problème, parce qu'ils vont l'Europe avec la France. Parce que si la France n'est pas dans l'Europe, ça s'appelle l'Allemagne. Ce qui est quand même une sacrée différence. Oui. Bon. Et par conséquent, elle a besoin de la France. Et c'est pour ça qu'actuellement, mais qu'est-ce que nous attendons pour ne pas donner à l'Allemagne nos conditions? Moi, j'ai dit l'autre jour avec un paysan de chez moi, voisin, il me dit qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Allemagne? J'ai déjà raconté. J'ai dit que tant une fille pauvre désirée par un monsieur riche,
Il faut qu'elle pose ses conditions tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce qu'après, c'est fini. Donc c'est à Nicolas de poser ses conditions à Angela. Mais justement, je ne vois pas de conditions posées. C'est bien ça qui m'ennuie. Parce que dans ces cas-là, ça finit mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on prend le temps long... Jolie métaphore. Je ne crois pas du tout que ce soit l'état d'esprit des Allemands. Il y a une chose qui hante les Allemands. C'est un peuple qui vieillit. C'est un peuple qui diminue de 700 000 citoyens par an. Dans 30 ans, les Français seront plus nombreux que les Allemands. Et c'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres. J'ajoute, Marie-France Garraud, il y a quelque chose à quoi vous nous devons faire... Vous pouvez dire Marie-France, vous savez, on s'est toujours dit Marie-France. Il y a quelque chose à quoi nous devons faire tous attention. C'est sympa, ce soir. Mais vous allez voir, je vais aller encore plus loin dans moi, ce domaine, vous appelez, si Madame vous Garraud. Le permettez. Allez-y. Bon. Non, il y a quelque chose à quoi nous devons faire tous très attention. Ça fait 50 ans que nous bâtissons l'Europe, qui n'est pas uniquement franco-allemande. Nous regardons le nombril franco-allemand, si je puis dire. Mais enfin, il y a tous les autres. Il y a les Italiens, les Espagnols, il y a les Polonais, etc. Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe? Nos enfants ne se font plus la guerre. Ils se visitent, ils vont faire des études en commun, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils se marient, ils ont des enfants. Chaque année, conjugal de la politique. Chaque année, j'ai deux petits-enfants espagnols. C'est les enfants des bourses Erasmus. Chaque année, naissent 1 million de petits Européens. Apparemment, Erasmus donne plus envie d'aller en Espagne qu'en Allemagne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, et bien ma fille a rencontré un Espagnol à Saint-Andrews, en Écosse. Il pleuvait, il s'ennuyait. Que voulez-vous qu'il arrive pas? Il est arrivé un petit Pablo. Il est né en Écosse d'une maman française et d'un père espagnol. Et là, je nous pose à tous une question. Lorsque le petit Pablo aura 18 ans et qu'il aura à choisir son pays, dans son cœur, quelle sera la patrie de Pablo? Comprenons que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura un peuple européen, le peuple de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors, très bien. Non, mais moi, j'adore tout ce que vous me racontez, mais je veux qu'on commente l'actualité de la journée qui n'est pas mince vis-à-vis de nos... Et pour nos téléspectateurs. Je peux vous poser une question sur la BCE ou vous voulez juste réagir aux récentes aventures familiales chez les Lamassoure qui sont par ailleurs plaisantes à écouter? Alain Lamassoure, c'est un vrai Européen. Mais je trouve qu'il oublie une chose, c'est que l'Europe telle qu'elle est actuellement construite est quand même très impopulaire. C'est évident. À chaque fois qu'on fait voter sur un traité... C'est le bouc émissaire. D'accord, mais enfin, elle est impopulaire. Et à chaque fois qu'on fait voter sur un traité, c'est une catastrophe. Alors, plus on ne fait plus voter, comme ça, c'est plus simple. On fait ça, on fait ratifier par les parlements, et encore, on a du mal. Et il faut qu'elle devienne un peu moins impopulaire. Or, si elle est fondée uniquement sur la rigueur, la discipline, le retour à l'équilibre, et des choses comme ça, qui sont probablement nécessaires, je ne dis pas le contraire, mais qui sont insuffisantes. Il faut aussi qu'il y ait, par exemple... En Europe, il y a un risque de dumping social, c'est-à-dire de concurrence à la baisse sur les prestations sociales ou sur les salaires, sur les avantages sociaux, etc. Pourquoi il n'y a pas dans le projet de traité l'idée qu'on pourrait éventuellement lutter contre le dumping social? Pourquoi ça n'y est pas? Parce que les Allemands qui proposent ça, ce n'est pas parce qu'ils sont allemands, c'est parce qu'ils sont de droite et ils ne veulent pas de cette affaire. Oui. Nathalie Kosciusko-Morizet répond. C'est pareil, en gros. Mais ce n'est pas vrai. Je crois qu'on peut vivre cette crise comme une formidable opportunité. Libérons-nous du problème de la dette. L'opportunité, c'est l'austérité. J'ai le Parti Socialiste pourra toujours habiller ça avec des boucs émissaires, les Allemands, les agences de notation. Le problème de la dette, c'est que ça nous soumet, d'une manière ou d'une autre, à nos créanciers. Libérons-nous du problème de la dette et réinvestissons nos champs d'excellence. Et faisons-le au niveau européen. Dans le projet d'accord... Se libérer du problème de la dette, madame, ça veut dire rembourser. Bien sûr que ça veut dire rembourser. Mais il ne s'agit pas... Attendez, si on ne propose que des sacrifices, évidemment, l'avenir est sombre et ressemble à rien. Non, on propose des efforts. Se libérer de la dette et réinvestir dans une politique d'avenir. Pourquoi est-ce qu'on fait les investissements d'avenir, sinon? Pourquoi est-ce qu'on fait le crédit impôt recherche? Dans les discussions en franco-allemand, Si on évolue vers une majorité qualifiée sur un certain nombre de sujets, on va pouvoir faire des choses plus intelligentes aux frontières de l'Europe et avoir peut-être des politiques plus intégrées sur un certain nombre de domaines. Moi, par exemple, dans les questions environnementales, j'aspire à ce qu'on ait des politiques plus intégrées. Aujourd'hui, on a des politiques de normes. On met des plafonds et des planchers d'émissions. On normalise tout en matière environnementale. La politique environnementale doit être une politique d'investissement. Mais pour ça, il faut se libérer de la dette et il faut éviter de casser du sucre sur le couple franco-allemand et plutôt choisir des politiques d'investissement. Alors, pendant qu'on est sur la dette quand même, l'information de la soirée, excusez-moi, et je vais vous demander de réagir, pardonnez-moi,
on apprend que Standard & Poor's, le soir même de l'accord franco-allemand, annonce que tous les pays AAA de la zone euro pourraient être dégradés. Et même, ils viennent de donner des précisions il y a quelques instants, que la note, la solvabilité de la France pourrait être abaissée de 2 crans, moins 2 crans. Qu'est-ce que ça vous trouve? Ça vous paraît très réussi, cette journée du couple franco-allemand? D'abord, cette décision, enfin, cette alerte de Standard & Poor's, elle a été décidée avant les annonces qui ont été faites par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Donc, ce serait fallacieux de présenter cette annonce de Standard & Poor's comme la conséquence ou la fin d'une journée qui est celle des annonces, comme la suite des annonces. Non, l'annonce, c'est quelque chose. Mais oui, c'est quelque chose. Mais attendez, vous voulez dire qu'ils ont retenu le communiqué pour le sortir? Mais non, pas du tout. Ça avait été annoncé aux États ce matin. Il y a du décalage horaire. Ça sort demain dans le FT. Mais ça n'est pas lié. Financial Times. Ça précède les annonces qui sont faites par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Donc, pardon, mais c'est important. Vous nous dites qu'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, allant négocier cet après-midi, étaient au courant de la future publication de cela. Regardez ce qui est dit par Standard & Poor's. Ils disent qu'ils ont alerté les États aujourd'hui dans la journée. L'annonce de l'accord entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy s'est faite en fin d'après-midi. Donc la décision de Standard & Poor's est antérieure à l'annonce qui a été faite par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Mais j'ajoute une chose qui est très intéressante dans la décision de Standard & Poor's, c'est qu'ils font une alerte sur l'ensemble des pays AAA de l'Union européenne. Mmh. Y compris l'Allemagne. Bien sûr, vous l'avez souligné, c'est une puissante incitation à sortir ensemble de la crise et à trouver ensemble des solutions, Allemagne devant. Arnaud Montebourg, comment vous réagissez à cette réaction? J'ai entendu que la crise était une opportunité formidable dans la bouche d'un ministre du gouvernement. C'est une opportunité formidable pour effrayer les populations en leur disant qu'il n'y a qu'une seule politique possible, celle des marchés. Nous proposons une autre politique. Vous proposez une politique de réinvestissement dans un... Bah c'est bien, ça nous permet de demander la partie souveraineté. Si vous voulez bien laisser terminer sa phrase. Si vous ne voulez pas, écoutez, c'est pas possible. Non, mais vous pouvez traiter par le mépris des politiques alternatives. Ça vous regarde. Mais je pense que la population, elle est attentive. D'investir dans les politiques environnementales, bon. Vous ne pouvez pas dire, Nathalie Kosciusko-Morizet vient de proposer... Ah, c'est-à-dire une opportunité formidable pour dire... Je vais essayer de m'exprimer en allant jusqu'au bout de mes phrases, si vous me le permettez. Une opportunité formidable pour imposer une cure d'austérité à tous les pays, le faire payer par des plans qui ont déjà commencé. M. Fillon en est à son deuxième plan. Le dernier, c'était des taxes sur les mutuelles, des hausses de CSG, alors qu'il y a à peine quelques mois encore, on diminuait l'impôt sur la fortune d'1,8 milliard d'euros. Montrant que l'austérité est toujours pour les mêmes. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de fortune, n'ont que leur travail pour vivre. C'est ça, les politiques de la droite. Et il vous dit, c'est une opportunité formidable parce qu'on va se désendetter. Mais qui va payer ? Nous proposons une taxe sur les transactions financières pour rembourser les dettes. Ça, c'est Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui l'ont proposée. Où est-elle, cette taxe? Elle propose, mais elle est où? Vous l'avez votée? Elle est dans le mais il n'y a pas besoin qu'elle soit sur la table. Elle devrait s'appliquer depuis 3 ans. Ce matin même... Monsieur Lamassoure, je vais terminer mon raisonnement et vous protesterez après. Ok, je compléterai. 3 ans après la faillite de Lehman Brothers, aucune mesure n'a été prise par les dirigeants européens, contrairement à Barack Obama et d'autres dirigeants dans le monde, pour nous protéger des marchés qui aujourd'hui spéculent et augmentent le montant de la dette, gagnant beaucoup d'argent sur le dos et la sueur des contribuables européens. Est-il permis de dire à un ministre du gouvernement que ce n'est pas une opportunité formidable, sauf pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent sur les marchés? Mais pour le moment, ceux qui payent la facture, ce sont ceux à qui vous présentez le fait qu'il n'y a pas d'autre politique possible que celle de la récession, de l'austérité et maintenant de la punition, des sanctions, des juges, où on remplace les parlements libres de choisir leur niveau de dépenses et de fiscalité par des tribunaux punitifs. Voilà la trouvaille de Mme Merkel et de M. Sarkozy. Vous faites allusion aux sanctions automatiques annoncées aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pensez, Arnaud Montebourg, que la France a perdu aujourd'hui une partie de son indépendance? Elle en perd tous les jours. D'abord, par la politique... Aujourd'hui, avec les annonces qui sont faites concernant le traité. Par la politique de surendettement de M. Sarkozy, les cadeaux fiscaux, il y a encore quelques temps, c'est ça de moins dans l'équilibre budgétaire. Parce qu'on nous parle de règle d'or, mais la règle d'or, il suffisait de la mettre en œuvre avant de l'imposer aux successeurs. Ils n'ont pas appliqué, ils le savaient. Donc vous avez une responsabilité écrasante sur l'assujettissement
au marché de notre pays. Et il y a un point. Je suis terrifié. Oui, mais moi, non, je dis. Je suis terrifié. Non, mais c'est bien ironisé, monsieur Lamassoure. J'ironise. Mais je pense que la colère populaire, elle existe. Oui, elle existe. Dans la population. Et ma je colère, sais pas, je et, ne sais pas si vous y êtes sensible, aussi. Mais je pense que vous devriez l'être. Oui. Par simple humilité que nous devons tous avoir. Très bien. Alors, voilà. Par humilité, admettez que je rétablisse la vérité sur deux points. En ce qui concerne les règles imposées aux banques, États-Unis, Europe. L'Europe impose à ses banques les règles dites Bâle III, qui vont s'appliquer à 2500 banques européennes. Au même moment, M. Obama et le Congrès des États-Unis ont pris les mêmes règles qui s'appliqueront à 35 banques américaines. Donc dans ce domaine, l'Europe est plutôt en avance sur les États-Unis. Deuxièmement, la taxe sur les transactions financières. En effet, ça fait partie du programme du Parti socialiste. C'est une bonne idée. Sauf que vous en parlez, nous y travaillons. Ce matin même, j'étais à Bruxelles à la tête d'une délégation du Parlement européen qui a commencé ce matin la négociation avec les ministres du budget européen pour mettre en place une taxe sur les transactions financières au niveau de l'Europe, en dépit du fait que les Américains et les Chinois n'en veulent pas. Alors, avons-nous, oui ou non, Alain Lamassoure, aujourd'hui, perdu en souveraineté? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de faire un pas supplémentaire vers le fédéralisme européen, notamment en annonçant des réactions automatiques de sanctions pour les pays qui ne resteront pas dans les clous? Non, moi, je ne parle pas de souveraineté, ni de perte, ni de partage de souveraineté. Nous avons introduit... Pardonnez-moi, on ne peut pas parler de l'histoire allemande avec les Allemands, on ne peut pas parler de perte de souveraineté, enfin, il y a combien de mots interdits quand on est pro-européen? La souveraineté, c'est la capacité à agir. Agir ensemble, ça n'est pas perdre de la souveraineté. Nous avons défini, j'en suis l'auteur, dans la Constitution française, l'article 88.4 de la Constitution, que nous avons adopté au moment du traité de Maastricht, quand nous avons abandonné le franc pour l'euro. Nous avons défini ce qu'est l'Union européenne pour les Français. Et je cite à peu près de mémoire. La France participe à l'Union européenne constituée d'États membres qui ont décidé librement d'exercer en commun certaines compétences. On a un traité où nous sommes obligés de soumettre notre futur budget à l'Europe, qui déclenchera, si elle le souhaite, automatiquement des sanctions. Est-ce que nous ne perdons pas de notre souveraineté? Vous pouvez peut-être me dire, non, nous passons à autre chose. Non, je n'ai pas vu le texte. On verra ce que dit le texte. Je vous indique simplement que dès maintenant, sans attendre de traité, dans le cadre des traités, conformément à la Constitution française, nous avons voté au Parlement européen, il y a 6 semaines, le renforcement des disciplines budgétaires qui prévoit un type de sanction de ce genre. Donc la règle d'or n'est pas une contrainte. Dans ce cas-là, fallait peut-être pas. Mais... Faut pas essayer de l'instituer. Non, mais la règle d'or sera une contrainte insurmontable le jour où elle sera introduite dans la Constitution française. Les autres pays le font. Nous attendons que le Parti socialiste en accepte le principe pour voir l'introduire en France dans la Constitution française. La règle d'or est une règle de bonne gestion. J'insiste, la souveraineté, c'est la capacité à agir. Non, madame. Choisir ensemble la règle d'or. On a une constitution, madame, elle existe. Moi, je préfère la loi commune de l'Europe à la loi privée des marchés. Parce qu'en fait, ce que nous propose Arnaud Montebourg, en courant toujours après la dette, avec toujours plus de dépenses somptuaires, comme dans le programme du Parti socialiste à 250 milliards d'euros, c'est continuer à être sous le joug de la loi privée des marchés. Président de la République... Moi, je préfère la loi librement consentie de l'Europe, avec la règle d'or, à la loi subie des marchés, qui est celle que nous risquons d'avoir déjà partiellement aujourd'hui du fait de notre dette. Quand le président de la République, dans son discours de Toulon, nous parle de souveraineté partagée, pouvez-vous m'expliquer comment ça se partage, la souveraineté? Ça veut dire qu'on décide ensemble que la dette est un renoncement. Aujourd'hui, la dette abîme notre indépendance. Et donc nous choisissons ensemble de nous endetter pour ensemble regarder l'avenir. Vous auriez dû éviter de nous surendetter alors, en 10 ans. Vous êtes au pouvoir depuis 10 ans. Arnaud Montebourg, vous savez bien, plus de vous dette, savez bien franchement, que c'est ça vous n'est le pas la réalité. Je le regrette, tout le monde a fait face à la crise. Tout le monde a fait face à la crise. Et la France est celle qui a eu
parmi les plans de relance les plus modestes, contrairement à ce que voulait le Parti Socialiste, qui voulait qu'on en mette beaucoup plus, et qui s'est sorti le plus rapidement, en tout cas qui est sur la meilleure pente, une des meilleures pentes de sortie pour son déficit. Heureusement que vous vous faites des compliments à vous-même, c'est vrai. Pardonnez-moi, une question Marie-France Garraud. Parce que dans ce cas-là, on attend longtemps. Marie-France Garraud, une question, je vous pose une question. Notre indépendance n'est-elle pas menacée par la dette? Je voudrais dire un mot. Non, répondez-moi à ma question, s'il vous plaît. D'abord, notre indépendance n'est-elle pas menacée par la dette? Notre souveraineté. Alors ça, c'est clair et net. Madame, je suis désolée de faire allusion à cette affaire familiale, mais quand votre grand-père, nous travaillions ensemble sur le traité de Maastricht, quand le texte est arrivé, quand on a eu la première ébauche du texte qui était, je crois, faite aux Pays-Bas, il y avait d'un accord à vocation fédérale. Alors quand même, on a trouvé que c'était un peu tôt et on a supprimé à vocation fédérale. Et quand le texte est arrivé, votre grand-père a dit... Ça n'est pas parce qu'on supprime les panneaux indicateurs sur les routes qu'elles cessent de conduire là où elles vont. Je pense que ça résume parfaitement bien l'évolution de l'Europe qui va en effet naturellement vers une Europe fédérale si on continue dans la ligne qui a été déterminée. Et à ma question, est-ce que la dette menace notre indépendance? Vous répondez quoi? Ah ben je vous réponds qu'il faut d'abord chiffrer la dette. Moi, je ne suis pas du tout financière, mais j'ai quand même la curiosité. Alors, d'après les chiffres qu'on m'a donnés, recueillis chez des économistes patentés, dans d'abord les dettes résultant des subprimes et autres. Oui. Il y en a, semble-t-il, pour 60 milliards... Attendez, je m'y perds. Oui, 60 milliards... 60... C'est ça, trilliards de dollars. Ce qui fait 30... Il reste 30 à peu près dans les banques. Alors, 30 trillions de dollars, ça fait quand même une somme. Si on ajoute la dette française, il y en a pour 1 700 milliards de dollars, ce qui fait l'ensemble de la dette aux environs de 4 500 millions de dollars. J'ai mélangé avec les euros pour la deuxième partie. Enfin, ça fait beaucoup, donnez-moi beaucoup d'argent. Donnez-moi l'idée plus que les chiffres, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je veux dire qu'avant qu'on se lance dans une politique de croissance en ayant résorbé la dette, il va couler de l'eau sous les ponts. Parce que si on calcule simplement le remboursement de la dette française, il y a un jeune homme l'autre jour dans une émission à laquelle je participais qui l'a fait. Si on fait payer la dette par les 50% de personnes françaises qui paient l'impôt, ils en ont pour chacun à peu près, je me souviens plus du chiffre, 180 000 euros par an. Mais comme ils ne sont pas tous riches, les 50%, si on prend les 10% supérieurs, ce qui fait à peu près 20% de la population française, c'est 380 000 euros. Alors quand même, je pense que c'est une somme qui peut peser. Ben, vous ne pouvez pas contester, madame, ça vraiment, mais ce sont des chiffres. Je ne conteste pas, moi je trouve que vous avez raison. Il ne faut pas attendre de s'être désendetté pour investir. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Mais on investit en même temps qu'on se désendette. Mais non, notre dette, en ce moment, je termine, on déficit, je termine la et souveraineté. Et on investit 35 milliards dans les investissements. On fait les deux en même temps, vous avez raison. Parce que la dette est grossie constamment, bien entendu, des intérêts de la dette. Hein. Bon. Arnaud Montebourg. Je voudrais ajouter un point qui est une particularité française et qui est un grave problème pour la France et qui est lié aux dernières années de gestion de notre dette. C'est qu'il y a non seulement la quantité de dette qui est de nature préoccupante, mais il y a aussi la qualité de la dette. C'est que nous sommes un des rares pays à avoir une dette qui est détenue à 70% environ par des créanciers étrangers non résidents. Par exemple, les Japonais ont deux fois plus de dette que nous, presque deux fois et demi. Mais eux, ce sont les Japonais qui prêtent à leur État. Mmh. Et ils n'ont pas perdu confiance. Donc finalement, il n'y a pas de turbulence en des Italie marchés. En Italie aussi, d'ailleurs. L'Italie également. En France, c'est 70%. Pourquoi? Parce que nous avons donné la dette, nous avons emprunté sur les marchés financiers. Nous avons en quelque sorte privatisé la dette, alors que nous aurions pu la conserver nationalement. Nous serions très forts, affecter notre épargne à notre dette publique. Eh bien, ça, c'est un grave problème parce que ça conduit à l'aliénation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est... à regarder les agences de notation, alors qu'elles auraient dû être depuis longtemps mises hors la loi, car elles n'ont pas à triturer les comptes publics. Mais ça, c'est très socialiste. Nous aurions dû, mais cher ami, il faudra que l'État soit de retour avec sa force et sa puissance. Et les agences de notation, par exemple, devraient être concentrées, c'est le programme des socialistes allemands, des socialistes français, dans une sorte de Cour des comptes européenne qui aurait le monopole de l'examen des comptes publics. Nous avons besoin d'évaluer nos comptes, mais de le faire non pas par des gens qui gagnent de l'argent ou font gagner de l'argent aux spéculateurs sur les marchés. Dernière question sur ce chapitre, le traité et ses conséquences pour notre souveraineté. Sur la base du traité annoncé aujourd'hui, est-il possible, Laurent Geoffrin, que l'Europe interdise demain, par exemple, des mesures de relance ou la création de 60 000 postes de professeurs dans notre pays? Si vous voyez à quoi je fais allusion.
cru comprendre. Le, nominalement, je ne pense pas, mais c'est un peu la même chose. Cette discussion, savoir si on perd ou non la souveraineté, oui, est absurde. Ah. On la perd volontairement, donc on la perd. Et voilà. Personne ne nous a mis un pistolet sur la tempe, en dehors des marchés. Donc on y renonce, c'est pas la même chose. On y renonce, mais donc on la perd. Mais quand on renonce, c'est juste agir limité par la dette. On la regagne en quelque sorte. C'est une reconquête de souveraineté. Ben on officialise, on sacralise le fait qu'on a perdu la souveraineté sur notre déficit. Parce que bon, ça porte essentiellement sur le fait qu'on n'aura pas le droit, sous peine de sanction, d'augmenter les dépenses plus vite que les recettes. On sera même obligé de faire le contraire. Et donc, c'est une perte de souveraineté évidente. Je ne sais pas pourquoi on se bat là-dessus. C'est évident. Voilà. Mais on le fait, pas vraiment volontairement, mais on le fait sous la férule d'une crise financière dont nous avons peur. Alain Lamassoure, et on parle démocratie. Oui, moi, je voudrais citer quelqu'un d'important pour répondre à la question que vous posiez. Est-ce que le fait d'être endetté est une aliénation de souveraineté ? Général de Gaulle, lorsqu'il est revenu au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est rembourser les dettes que la France avait envers le FMI. En dévaluant, vous rappelle Marie-France Garraud. En créant une nouvelle monnaie qui était le nouveau franc. Hein, et en remboursant le FMI. Et son jeune ministre des Finances, qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, est allé remettre symboliquement un chèque au FMI. Et ce jour-là, le général de Gaulle a dit, la France a récupéré sa souveraineté. C'est ce que nous avons besoin de faire. Si je peux dire un mot sur le traité... La ministre italienne, juste une chose, la ministre italienne des Affaires sociales, hier, pleurait en annonçant ses mesures. Sans le mot de sacrifice. Oui, ça veut dire qu'on parle de choses graves et qui va impacter directement la vie de tous les Européens. Bien sûr, parce qu'on a vécu au-dessus de nos moyens pendant 20 ans, et il faut bien le payer. Voilà. Mais je voudrais faire un pas... Je suis pas... Non, mais dans ce cas-là, il faut dire aux Français, vous allez souffrir. Mais écoutez, à partir du moment où nous arrivons à un point où on est obligé de financer en partie par la dette notre système de santé, ça n'est plus le cas des retraites parce qu'on a fait la réforme des retraites, mais enfin, tout de même, on a un problème de maintien du financement de notre protection sociale. Mais je voudrais aller dans le sens de Laurent Geoffrin, qui a fait une remarque juste tout à l'heure. Je me méfie. Je m'arrête. Oui, c'est... On a le droit d'essayer de trouver des consensus. Ça peut être inquiétant, vous avez raison. Je dis que j'ai besoin de voir le contenu de ce projet de traité pour me faire ma religion sur ce texte. Ah bon, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Bon, moi je prendrai cette fois-ci... Je me fonde sur ce qu'en dit le président de la République. Je ne parlerai plus de ma famille. Excusez-nous de reprendre les propos de la chancelière et du président de la République. C'est ça. Non mais je ne parlerai plus de ma famille. Non mais c'était sympathique, mais là... Je fais une comparaison maritime. La crise a monté, nous sommes tous dans le même bateau. On a dessiné, tu es d'accord, bon, on a dessiné le bateau. Tout le monde n'est pas d'accord sur le cap. Au traité de Lisbonne. En effet. Bon. La question est de savoir quel capitaine. Le traité s'applique à peine depuis 2 ans. Alors maintenant, on dit on va recommencer le traité. Pitié, ne recommençons pas l'architecture du navire. Il faut que le navire, il prenne la mer et il prenne un cap. Et qu'il sombre. S'il faut le consolider. Vous êtes contre le traité alors ? Non. Si c'est un petit traité pour consolider le navire, rajouter un mât, soit. Mais ce qui intéresse l'équipage et les passagers, que nous sommes tous les 500 millions de citoyens européens, c'est où va le navire, pourquoi faire. Et là, nous avons des choses à dire aux Allemands. Parce qu'il n'y a pas que le budget. Le traité permet de faire des politiques communes qu'évoquait tout à l'heure Nathalie Kosciusko-Morizet. Pourquoi on ne les met pas en œuvre? Une politique commune de l'énergie. Les Allemands, en décidant unilatéralement, sans consulter personne, qu'ils allaient fermer 9 réacteurs nucléaires immédiatement, et arrêter tous les autres d'ici 2020. Ils ont mis par terre tout le peu d'éléments qu'il y avait d'une politique commune de l'énergie. En matière d'immigration... Les socialistes vont remettre les choses... En matière d'immigration, ça fait maintenant 20 ans que nous avons supprimé les contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne. Vous vouliez interdire aux Allemands de choisir leur politique énergétique ? Non, mais ils auraient pu nous prévenir quand même. Non. Ils auraient pu nous consulter. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Le traité européen prévoit... Il ne faut pas parler de la guerre, mais il faut les empêcher de choisir leur politique énergétique. Non, ils ont le droit de choisir la manière dont ils produisent leur énergie. Ils n'ont pas le droit de prendre des décisions unilatérales contraires à la politique européenne et aux engagements pris par les Européens, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet climatique. Vous n'êtes pas un peu germanophobe, vous aussi, dans le domaine de l'énergie et du nucléaire. Je parle du contenu, monsieur Montebourg. Ah bon, pardon. Je ne lance pas des attaques historiques blessantes. Blessantes, nous l'avons vu, non pas pour les Allemands, mais pour vous, parce que vous êtes en train
de nous faire admettre des choses qui sont inacceptables. Je voulais dire, si je peux, cette fois-ci, c'est moi qu'on empêche de parler. Si je peux aller jusqu'au bout de mon raisonnement, sans changement de traité, nous pouvons, nous devons mettre en œuvre une politique de l'énergie commune. Nous devons, nous pouvons mettre en œuvre une politique commune de l'immigration. Ce problème de l'immigration qui complique, qui pollue la politique intérieure de tous les États membres. Nous devons mettre en place une politique étrangère et de sécurité commune. Pardonnez-moi, je ne vous demande pas un programme ce soir. On doit commenter l'annonce d'un traité qui a été fait par de hauts responsables aujourd'hui. Et c'est bizarre comme vous êtes précis à certains moments et moins à d'autres. Je dis, ces politiques-là, on peut et on doit les mettre en œuvre tout de suite. On n'a pas besoin de nouveaux traités pour ça. Il nous reste 15 minutes. Pardonnez-moi, Nathalie Kosciusko-Morizet, pensez-vous que ce nouveau traité, quel que soit à l'arrivée ses contours, il doit être adopté par référendum? Pas forcément. Vous savez, ce qui a été dit, c'est qu'on essaierait de faire quelque chose à 27, mais l'objectif, c'était bien de s'intégrer plus fortement, d'aller vers une intégration économique, budgétaire plus forte. Et si on n'arrivait pas à 27, on le ferait au moins à 17, c'est-à-dire dans la zone euro. Et à ce moment-là, ça ne nécessite pas de référendum. De toute façon, pourquoi est-ce qu'on parle d'un nouveau traité? Parce qu'on trouve que dans les traités existants, on a un problème de réactivité. Ma question, c'est référendum ou pas référendum? Non, mais attendez, regardez ce qui s'est passé avant l'été. C'est bien. Ben justement, j'ai répondu. Regardez ce qui s'est passé avant l'été. Avant l'été, on a mis du temps à convaincre les Allemands, notamment, qu'il ne fallait pas laisser tomber les Grecs et qu'il fallait qu'il y ait de la solidarité à l'intérieur de la zone euro. Pourquoi un nouveau traité? Tout simplement pour avoir des mécanismes plus rapides, à la fois de réaction vis-à-vis des problèmes et d'anticipation face aux problèmes. C'est tout simple. On a vu que ça pose des problèmes de souveraineté. Pardonnez-moi. Ça ne nécessite pas forcément un référendum. Mais vous y êtes favorable ou pas? Non, je vous ai dit, ça ne nécessite pas forcément un référendum. Donc la réponse est non. Notamment si on va vers une solution à 17, je vous l'ai dit. C'est plutôt non. Est-ce que vous voulez un référendum sur ce traité? C'est bien le minimum. Le dernier référendum sur le traité constitutionnel européen a échoué, donc les Français ne sont pas d'accord. On a fait voter un traité qui ressemblait à celui qui avait échoué au plan référendaire par le Parlement. J'ai moi-même refusé de me prêter à cette violation du mandat référendaire. Mais le Parti socialiste l'a voté. Pas moi. Je l'assume comme toutes mes déclarations d'ailleurs, madame. Ah ben c'est une bonne nouvelle parce qu'au début, ce n'était pas clair. C'était très clair. Et j'ai envie de dire, comment voulez-vous que nous consentions à un traité qui organise des punitions contre notre politique budgétaire, qui organise l'austérité renforcée, qui aujourd'hui ne serait pas approuvée parce qu'elle serait payée par les classes moyennes et les classes populaires. Un traité qui refuse toute forme de mutualisation de la dette, les eurobonds. Monsieur Sarkozy a demandé pendant un an des eurobonds à madame Merkel et il a expliqué qu'ils sont tombés d'accord pour qu'il n'y ait pas d'eurobonds. Donc la Banque Centrale Européenne, c'est niette. Les eurobonds, c'est niette. Enfin, c'est nine, plutôt. Et en vérité, nous n'avons rien obtenu. Et il faudrait que nous acceptions, finalement, une austérité allemande. De la droite allemande. Nous ne l'accepterons pas. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont été élus démocratiquement? Oui, on n'est pas obligé de passer systématiquement, de repasser par la case référendum. Temps pour démontrer qu'il pourrait l'être à nouveau. Alors, Laurent Geoffrin, pardonnez-moi, Laurent Geoffrin. Juridiquement, on n'est pas obligé, autant que je parle sous votre contrôle, mais on n'est pas obligé. En revanche, je répète que l'Europe étant extrêmement impopulaire, si on va encore faire un traité qui va, par nature, porter sur des disciplines, dans le dos de la population, parce qu'on ne les consultera pas, on consultera les élus, mais pas les électeurs. Et je pense que ça passera très mal. Je déconseille fortement de faire un référendum sur l'Europe en ce moment, et je déconseille fortement de faire un traité dont le contenu est strictement orthodoxe sur le plan financier. Mais en fait, vous déconseillez d'agir, donc on peut crever la bouche ouverte. Mais pas du tout. Face à la crise. Pourquoi vous dites ça? Vous ne voulez pas de référendum, vous ne voulez pas de traité, vous ne voulez pas de rien. Le traité sera essentiellement une perte de temps et probablement un échec politique en plus. On peut agir tout de suite, différemment de ce que proposent les uns et les autres. On peut en juger d'une manière ou d'une autre, mais il y a plusieurs politiques possibles pour réduire le déficit, pour lutter contre la dette. C'est pas vrai qu'il n'y en a qu'une seule. Si je regarde les forces politiques en France et en Allemagne, je constate qu'elles ne sont pas d'accord. Et donc que cette idée selon laquelle il n'y a qu'une seule chose à faire, qui est de faire un traité dont personne ne veut, et dans, lui donner un contenu totalement contraignant et orthodoxe sur le plan de la finance, n'est pas du tout réel. L'Europe, pardonnez-moi,
orthodoxie, il y a des choses. La démocratie reste plurielle, fort heureusement. Quand vous mettez des limitations de vitesse sur une autoroute, et ben les gens, ils ne les respectent pas s'il n'y a pas de sanctions. À partir du moment où on est d'accord sur la règle d'or, c'est pas grand-chose, finalement, c'est pas très, très subversif. Mais la règle d'or, on va imaginer des sanctions s'il y a des États qui ne la respectent pas. La règle d'or, c'est finalement assez naturel. Excusez-moi, la règle d'or a un inconvénient, c'est une vieille histoire. C'est un débat qui a commencé il y a 30 ans ou 40 ans. C'est une proposition des libéraux ou des monétaristes consistant à empêcher, a priori, pour toujours, les États de faire du déficit. C'est ça le but. Alors aujourd'hui, évidemment, ça paraît d'actualité, vu qu'il y a des déficits trop importants. Mais pourquoi le mettre dans la Constitution, c'est-à-dire ad vitam aeternam, alors qu'on sait très bien qu'il y a des circonstances dans lesquelles on a le besoin peuple pourrait dire quelque d'une chose, relance. Pas longtemps. Mais parce qu'on a vu avec la Grèce, avec l'Italie, avec d'autres, qu'il y avait des gens qui ne respectaient pas et mettaient l'ensemble du bateau, comme disait Alain Lamassoure. Non, je voudrais que Marie-France Garraud dise qu'elle voulait exprimer. Cette règle d'or vient des plus orthodoxes sur le plan financier et de la droite. Marie-France Garraud. Bien entendu, il faudra un référendum, bien entendu, on n'en fera pas. Bon. Mais je pense que de toute Donc, manière. Donc, un, il en faut un, deux, on ne le fera pas. Bon. Mais si vous voulez, je pense que tout ce qu'on fait en moment, au fond, c'est du provisoire orienté vers. L'Allemagne n'a absolument pas l'intention de garder dans une zone homogène les pays du Sud. L'Italie peut-être, mais pas la Grèce, pas l'Espagne, pas le Portugal, pas l'Irlande. Alors, pourquoi vous avez dit qu'on progressait dans le soutien? Pourquoi est-ce qu'on progresse? Parce que le président Obama téléphone tous les mois à Mme Merkel, mais sans doute plus souvent, pour lui dire surtout pas de vague avant les élections américaines. Pas de, la dernière fois, il a même envoyé Donc, un ambassadeur. Vous pensez qu'on est soumis à Merkel? Vous pensez que Merkel est soumise à Obama? Elle est tout de même assez liée aux Américains, oui, c'est normal d'ailleurs. Mais c'est normal. Et il a même envoyé un ministre la dernière fois à la Réunion européenne. Un ministre américain est venu à la Réunion européenne. Ça vous paraît normal, vous ? Non, moi pas. Bon, en tout cas. À une réunion, on peut inviter qui on veut. Mais on n'avait pas invité, vous précisément. On ne l'avait pas invité. Il est venu à la demande de son gouvernement. Bon, alors tout de même. Mais encore une fois, dans le système actuel, les institutions européennes conduisent à un système fédéral. C'est un jour ou l'autre. Bon. Je pense que nous pourrions encore, je ne le dirais pas si je pensais qu'il y avait une chance sur 10 000 pour que ça se réalise, je pense que nous pourrions en ce moment, nous la France, parce que les relations politiques, ce sont des relations d'intérêt, pas de sentiment, pas d'amabilité, pas je t'aime moi non plus, non. C'est d'intérêt, elle défend ses intérêts. Nous, on en a, nous ne pouvons pas être dans un système qui convient à l'Allemagne. Nous n'avons pas la même politique industrielle, nous ne sommes pas placés de la même manière, etc. Et nous ne pouvons pas tenir sur cette politique financière. Je crois qu'elle aurait une chance d'accepter encore, alors maintenant qu'elle est bien structurée, elle, de revenir à l'histoire de la monnaie commune, qui était d'ailleurs le projet initial pour l'Union monétaire. C'était le projet initial, c'est chancelier Kohl qui a imposé la monnaie unique. Et dans la monnaie commune, les monnaies étaient rattachées à des taux de change fixes, à l'euro, devaient respecter ces taux de change, mais dans une circonstance exceptionnelle pour un État, ils pouvaient décrocher avec autorisation générale. – Ce qui veut dire renoncer à l'euro, Marie-France Garraud ?– Non, on le garde comme monnaie commune. On le garde comme monnaie commune, et les monnaies nationales sont rattachées à l'euro par des taux de change fixes. C'est un système keynésien, c'est un SME amélioré, si vous voulez, hiérarchisé. D'accord. Et réglé. Réglé. Serpent monétaire européen. Oui, mais amélioré. Bon. Enfin, je veux dire, rendu plus rigoureux par des règles de conduite. Mais tout le monde sait bien que la Grèce ne paiera jamais ses dettes, voyons. Elle ne peut pas les payer. L'Espagne non plus, le Portugal non plus. Et je vous ai dit, nous, déjà, ça pose quand même de sacrés problèmes. Par conséquent. Mais ce n'est pas en changeant de monnaie qu'on paiera les dettes. Hein. Ah, attendez, vous avez dit vous-même tout à l'heure, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, comme je suis la plus vieille, j'ai des souvenirs précis. Je dois être plus âgé que vous, oui, sûrement. Mais vous faites beaucoup plus jeune que moi. Non, bon. Mais non. Bon. On était dans la situation pire. On allait chercher l'argent à Washington pour payer les fonctionnaires. Et ça, je le sais personnellement, parce que j'ai connu Pleskov qui allait le chercher et Volcker qui le donnait. Et tous les deux me l'ont dit. Par conséquent, vous voulez dire qu'ils ramenaient des valises d'argent? Je ne sais pas si c'était des malades, mais on n'a pas l'habitude à cette époque encore. Mais enfin, ils allaient conclure les transferts. Je suppose que c'était plutôt comme ça que ça se passait. Bon. Alors, le général arrive, il a une idée très claire de la politique qu'il veut faire pour la France. Il choisit Rueff pour exécuter ce plan, Pinet pour faire un emprunt. On dévalue de 25%, on réajuste les monnaies, on fait un emprunt et on applique une politique économique en même temps qu'une politique générale. La France sait où elle va. En tout cas, moi, ce qui me caractérise dans la France, en dehors des gens qu'on voit à Paris, les gens n'ont aucun... Mais ils n'attachent pas la moindre importance à ce qui se passe dans les milieux
politiques. Ils n'attendent plus rien des politiques. Mais ce qui s'appelle rien, c'est pour ça que je pense qu'on peut élire n'importe qui, excusez-moi, d'ailleurs ça n'a aucune importance, puisque quand on parle de la souveraineté, vous avez voté le traité de Maastricht avec vos petits camarades de droite, c'est comme exact. Vous dites, bon, il n'y a pas de quoi se vanter, bon, et franchement, parce qu'on est rentré dans la seringue et c'est toujours plus difficile d'en sortir que d'y rentrer. Bon. C'est exact. Bon. Alors, on va parler un peu de politique intérieure. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'Europe sera visiblement au cœur de la campagne présidentielle française. Nathalie Kosciusko-Morizet, la mauvaise pour Nicolas Sarkozy, c'est que l'Europe n'est pas le meilleur thème pour aller séduire l'électorat du Front National. Vous vous en rendez compte ? Moi, je trouve qu'il y a deux bonnes nouvelles. L'Europe et l'économie. C'est-à-dire vous répondez à ma question. Oui, je réponds. Pendant des années, en France, il y avait deux sujets qui intéressaient beaucoup les politiques et pas du tout les Français, et on ne pouvait pas en parler en campagne. C'était l'Europe et l'économie. Donc c'était un peu tout le monde y pense et personne n'en parle parce que c'est considéré comme un truc qu'on ne peut pas partager. Ben là, tous les médias se passionnent d'économie, expliquent la crise de la dette, le machin, le truc. Et ça passionne tout le monde, y compris, j'en suis sûr, les électeurs du Front National. Pourquoi vous diriez que les électeurs du Front National ils soient différents des autres? Ils savent aussi qu'une dette, ça se rembourse. Ben oui. Au deuxième tour, il faudra aller vous les chercher. Vous avez l'air d'être plein autour de la table à penser qu'on peut ne pas rembourser la dette. Trillions. Pardon, Madame Garraud, vous pensiez que, manifestement, vous envisagez qu'on ne rembourse pas la dette. Il y a une époque, il y a quelques siècles, où on expulsait les gens dont on était débiteurs. Alors, on a expulsé les Lombards, les on a expulsé les Juifs. Enfin, on a fait ça. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est devenu un peu civilisé, on envisage de rembourser nos dettes. Mais avec quoi, madame? Avec quoi? Vous avez 5 millions de. 3 trillions de dollars de disponibles. Vous voulez leur faire quoi, nos créanciers? Vous envisagez des traités comment? Non, mais écoutez, madame, dites-nous un d'abord, peu. Les créanciers, ce sont les banques en général. Et les créanciers, c'est aussi les prêteurs. Mais il y a des gens derrière. Il y a 75 pays qui ont fait défaut depuis les années 50. Bon, évidemment, quand c'est les pays africains, tout le monde s'en fiche. Mais n'empêche, il y a des défauts tout le temps. D'ailleurs, la Russie a fait défaut en 92. Vous envisagez qu'on mette la France en fait. Mais vous êtes comme Arnaud Montebourg, vous avez une vision complètement désespérée de la France. Mais pas du tout. C'est désespérant. Pas du tout. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir. Je pense qu'un avenir, je viens de vous dire comment. En sortant de la monnaie unique pour passer à la monnaie commune. Ça, oui. Là, c'est viable. Moi, tout le reste, c'est un vrai désespoir. La monnaie de singe. On reste dans la campagne à venir. L'Europe dans la campagne pose aussi des problèmes à gauche, Arnaud Montebourg, vous le savez mieux que quiconque. Vous allez donc vous retrouver divisé comme au bon vieux temps du référendum. Est-ce que ce n'est pas un boulet pour votre candidat François Hollande, ça? Je ne crois pas, parce que aujourd'hui, chacun, y compris François Hollande, cela est apparu dans la campagne des primaires, considère que les traités tels qu'ils ont été conçus sont obsolètes. D'ailleurs, ceux-là même qui nous les ont fait voter, les piétinent allègrement. Donc la question est celle de savoir comment aujourd'hui nous donnons une orientation politique à l'Europe qui ne soit pas celle du système financier exigé par le système financier. Tout à l'heure, vous demandiez, vous parliez de référendum, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Ce qui est programmé avec ce qui s'est passé en Italie, en Grèce, c'est la disparition des gouvernements démocratiques. Ce sont des gouvernements de techniciens qui sont nommés pour assurer les marchés. Ce que j'appelle les gouvernements Goldman Sachs, c'est-à-dire issus des banques qui elles-mêmes ont contribué au maquillage des comptes de la Grèce et donc des origines de la crise. On choisit des hommes de ce système-là qui ont provoqué la crise pour rassurer les marchés aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire c'est la négation même. Je reviens. Exactement. Merci, Madame Garraud. Comme disait le général de Gaulle. La politique, c'est pas la corbeille. Merci, Madame Garraud. C'est le prix de notre dette, quand même. C'est le retour. Et je voudrais répondre à ceux qui veulent payer leurs dettes. D'ailleurs, ce ne sont pas les leurs, ce sont les nôtres qu'ils ont accumulés. Non, sur celle de la génération au détriment de la France, au détriment de la France et des Français. C'est que les Américains, comme les Anglais, comme tous ceux, comme les Chinois, n'importe qui ont des dettes, généralement utilisent la banque centrale. C'est-à-dire, ils payent avec, en rachetant les dettes des États et en émettant de la monnaie. Ça, d'ailleurs, est une particularité mondiale. C'est au moins le mérite d'éviter les intérêts. Il n'y a qu'une exception. C'est la Banque Centrale Européenne à cause des exigences allemandes. Donc nous n'avons pas d'autre solution que de taxer le système financier pour épargner les contribuables. Alors, je veux éviter que des gens qui n'ont aucune responsabilité dans la crise la payent. Je veux juste vous faire remarquer. C'est le sens de la taxe. Je veux juste vous faire remarquer, excusez-moi, que ça va quand même être compliqué pour les socialistes et pour la gauche de refuser la règle d'or alors que tous les pays de la zone euro vont l'adopter. Ah ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voudriez-vous que nous adoptions une règle parfaitement stupide, qui d'ailleurs
n'a aucun sens, car elle constitutionnalise ce qui relève de l'exercice de la souveraineté populaire. La Constitution n'est pas faite pour définir des orientations politiques. Elle est faite pour rassembler un pays. Donc ça, ça ne le rassemble pas, ça le divise. Et par ailleurs, il est parfaitement loisible à une population de choisir un dirigeant responsable, contrairement à ce que nous avons aujourd'hui à la tête d'un certain nombre d'États, dont le nôtre. Laurent Geoffrin, vous voulez réagir ? Oui, sur les banques centrales, ça fait longtemps que dans... Enfin, pardonnez-moi de me citer, mais parce qu'il y a plusieurs économistes au départ très marginaux, mais auxquels on a donné de l'écho dans l'Obs, qui proposent effectivement une intervention plus importante de la banque centrale. À chaque fois qu'on dit ça, on nous dit « mais c'est la planche à billets, c'est l'inflation, c'est horrible ». Sauf que je constate que tous les gouvernements, maintenant, ils viennent. Y compris Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, puisqu'il avait demandé à ce que la Banque centrale abonde le fonds de soutien européen, puisque les Allemands ont repoussé d'un revers de main. Alors maintenant, il dit que c'est idiot, etc. C'est comme les eurobonds. Mais c'est pas vrai, la seule chose. C'est pas vrai, si, c'est vrai. Il avait demandé. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas donner d'injonction à la Banque centrale européenne. Il avait demandé à ce que la Banque centrale abonde le fonds européen. Oui. Oui. Et donc, il ne l'a pas obtenu. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est tout. J'ai pas fini mon raisonnement. La Banque centrale européenne, parce que ça déstabilise tout le système. Mais ça préjuge pas demandé, de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle fait pas. Mais pourquoi l'avait-il demandé? Ça préjuge pas ce qu'elle fait ou de ce qu'elle fait pas. Pourquoi l'avait-il demandé? En ce moment qu'elle rachète des choses. Pourquoi l'avait-il demandé officiellement? Il l'a fait, il l'a demandé, c'est vrai. Enfin, et en plus, c'est le bon sens même, parce que toutes les banques centrales. Attendez, excusez-moi si je peux pas terminer. Je vous donne la parole. Soit vous lui répondez, soit vous le laissez terminer. Après, l'un ou l'autre. Avec beaucoup d'attention. Toutes les banques centrales du monde pratiquement le font. Eh bien, c'est pas une panacée. Il ne faut pas ouvrir toutes les digues. Mais ça permet d'étaler les sacrifices. C'est-à-dire que la banque centrale soit reprend des obligations, soit finance directement les États. Je suppose qu'elle le puisse juridiquement, ce qui n'est pas encore le cas. Enfin, en tout cas, elle le fait déjà aujourd'hui, hein, de reprendre les obligations des États. Alors même qu'on était censé pas le faire, mais on le fait sous la pression de la nécessité. Et donc on donne raison à tous les marginaux. On donne la raison à tous les marginaux qui le proposaient depuis le début. Ça permet d'atténuer les sacrifices. Ça ne les annule pas. Ça les étale dans le temps et ça permet entre-temps, de ne pas casser. Parce que cette histoire de « on va tous faire de l'austérité », bon, ça paraît le bon sens, il faut payer les dettes, donc il faut mettre des excédents, il faut réduire... Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une récession globale à l'échelle de l'Europe, comme ça se profile un peu déjà? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On pourra encore moins rembourser les dettes. Donc on aura fait une politique idiote. Comme les Grecs, on aura accru de plus en plus le sacrifice ayant échoué, on demandera un sacrifice supplémentaire. C'est ça qu'on risque en ce moment. C'est peut-être pour ça que M. Mario Monti, quand il annonce un plan qui fait pleurer ses ministres, annonce aussi 10 milliards de relance. Oui, ben c'est déjà un peu plus malin. Et Nicolas Sarkozy ne dit qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Non, il n'y a pas qu'une seule politique possible. Il est possible de demander à la Banque Centrale Européenne d'aider les peuples, au fond. Et il est possible aussi d'étaler un peu plus les remboursements de manière... Ce que demandent les créanciers, c'est l'assurance d'être remboursé. C'est pas tellement de rembourser tant à telle date, etc. Ça se négocie, c'est un rapport de force. Et dès lors que les créanciers sont sûrs d'être remboursés, c'est jouable. On peut négocier, je dis pas que c'est facile, mais c'est jouable. Et donc, c'est une politique différente de celle que proposent Merkel et Sarkozy, qui, elle, est strictement orthodoxe. C'est ce dont, bien entendu, nous allons débattre, notamment dans la campagne présidentielle, dans les semaines à venir. J'ai une dernière question d'actualité que je dois ce soir poser à Nathalie Kosciusko-Morizet. Daniel Cohn-Bendit nous met en garde ce soir contre le risque terroriste dans les centrales nucléaires. L'opération de Greenpeace a-t-elle fait vaciller à vos yeux vos certitudes sur la sécurité de nos centrales aujourd'hui? Non. D'abord, il y a deux choses différentes dans une centrale. Il y a la sûreté, donc c'est la sûreté du processus nucléaire lui-même. Ça fait l'objet des audits post-Fukushima, et à la sécurité. La sécurité, c'est le risque d'intrusion, le risque terroriste. Ce matin, on a vécu une opération de Greenpeace qui était une opération de communication. Et pourquoi ça ne m'inquiète pas, même s'il y aura enquête et il faut savoir exactement ce qui s'est passé, mais pourquoi ça ne m'inquiète pas fondamentalement? D'abord parce que les personnels de la sécurité ont très vite réalisé qu'il s'agissait d'une opération de communication avec des militants, et donc ils n'ont pas mis en œuvre toutes les procédures de sécurité, qui elles sont très fermes, et concrètement on ne tire pas sur des militants, si ça avait été des terroristes, ce serait passé différemment, et ensuite parce que le concept de sécurité de nos centrales, c'est un concept de défense en profondeur. Il y a des séries
de défense et de limite. L'objectif, c'est de ralentir une intrusion et de repérer quelqu'un qui est rentré dans la centrale. Les Français ont vu aujourd'hui, en gros, c'est quand même qu'on rentre comme on veut. Pas du tout. Il y a eu 6 centrales qui ont vécu une tentative d'intrusion. Il y en a eu une dans laquelle il y a 9 militants qui sont entrés, une autre dans laquelle il y a 2 qui sont restés. Et ils ont été repérés, suivis et localisés. Et ils ne sont à aucun moment approchés du cœur de la centrale et par exemple, de la salle de commande qui est tout à fait inaccessible. Vous savez, ce qui est visible, ce qui est très médiatique, par exemple des militants qui montent sur le haut du réacteur en peignant quelque chose ou en tendant une banderole, n'est pas dangereux en termes de sûreté. Parce que vous pouvez monter sur le toit du réacteur, il ne se passera rien, quand même, ni pour vous, ni pour eux. Ça fait mauvais genre. Oui, ça fait mauvais genre, même, mais c'est pour ça qu'il va y avoir une enquête. Mais ça n'est pas dangereux en termes de sécurité. Et pour vous, ça ne remet pas en cause la protection de nos centrales. Mais encore une fois, il y a 2 choses différentes. Il y a la sûreté. Et là, je pense qu'il y aura des investissements à faire à la suite de Fukushima. Parce que, par exemple, la dévastation complète d'un site... Là, vous voulez nous dire qu'on réagit à Fukushima, pas à Greenpeace? Non, pas du tout. La sûreté est une chose différente. C'est le processus UM, ce qui se passe dans ce rôle, de la sécurité. La sécurité, c'est la lutte antiterroriste. Et quand on a des militants qui investissent une centrale, qui essayent d'y entrer pour faire de la communication, on ne réagit pas de la même manière que si c'est des vrais terroristes. Tout le monde peut le comprendre. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle le programme des jours à venir. Sommet européen jeudi et vendredi à Bruxelles. Sachez que demain, François Fillon est l'invité du journal de 20h sur France 2. Et que donc, jeudi, François Bayrou sera celui de David Pujadas, mais cette fois-ci dans Des paroles et des actes dès 20h30 sur notre chaîne. Merci à tous de votre présence. Rapidement, les livres de l'émission. Imposture politique, le dernier livre de Marie-France Garraud, paru aux éditions Plomb dans la collection Tribune Libre. Arnaud Montebourg, avec la préface d'Emmanuel Todd, Voter pour la démondialisation aux éditions Flammarion. Je recommande en particulier le dernier chapitre où vous abordez une partie des questions que nous avons évoquées en début d'émission. Le front antinational, c'est le dernier livre de Nathalie Kosciusko-Morizet, paru aux éditions du Moment, le front anti-national. Et puis j'avais avec moi le magazine Challenge que vous nous avez montré en début d'émission et qui est intéressant à lire sur la question de l'Europe allemande. Avant de nous séparer, un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé notre débat, David Montagne qui vient de le réaliser avec ses équipes. On se retrouve lundi prochain, nous serons donc le 12 décembre pour un nouveau mot croisé. Très bonne fin de soirée avec le dernier journal et merci de votre fidélité.